Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette séance de communication orale. Donc pour commencer, je vais vous faire un petit rappel des règles d'usage de cette session. D'abord, vous êtes invité à participer activement en posant des questions et en partageant des commentaires dans la boîte Q&R. Vous pouvez aussi communiquer dans le chat, mais toutes les commentaires et questions sont les bienvenus dans la boîte. Vous pouvez aussi interagir en partageant des likes, des pouces en l'air sur les questions ou commentaires que vous aimez, sur lesquels vous voudriez insister. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez m'écrire à moi-même dans le chat ou à Maggie. Vous avez la possibilité d'avoir une traduction en anglais. Donc, cette session aura lieu en français. Vous pouvez activer les sous-titres qui vous donneront la possibilité d'avoir la traduction en anglais. Je vous rappelle que vous avez toujours le tableau blanc à disposition pour partager à tout moment pendant le symposium des idées, des pensées inspirantes, des citations que vous retenez des interventions et qui serviront de base de réflexion à l'atelier final de demain. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer. Notre animateur pour cette séance est Paul Turcotte, qui est enseignant au Cégep du Vieux-Montréal et chercheur au CRISPECH. Je vais arrêter mon partage. Merci Leslie. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes qui assistez à ce panel de présentation orale qui va réunir les présentations de Frédéric Douville et en collaboration avec Anne-Rosie Pelletier. On a Frédéric Douville avec nous. La présentation va être faite sous forme de capsule vidéo, mais évidemment, M. Douville est là pour répondre à vos questions. Donc, si vous voulez poser les questions par écrit dans le module de questions et réponses, M. Douville pourra y répondre par écrit immédiatement ou encore revenir à la fin de la présentation de la capsule pour répondre aux questions sur les mesures qui ont été mises en place là, par M. Douville à l'Université Laval dans le programme de soins infirmiers, n'est-ce pas? Parfait. Donc, s'en suivra de cette présentation une deuxième présentation par nos amis, collègues Outre-mer à Poitiers, en France, Harbert Stembari et James Robert, qui vont nous présenter aussi le programme qu'ils ont mis en place pour l'accompagnement des professeurs dans le développement de pratiques inclusives, n'est-ce pas? Parfait. Donc, comme vous pouvez le comprendre, le trait commun entre ces deux présentations, c'est de s'adresser au milieu universitaire. L'ensemble du symposium s'adresse aux études supérieures, mais les deux présentations qu'on va avoir l'occasion de regarder ou d'entendre dans les prochaines minutes s'intéressent plus spécifiquement en fait à l'implantation en contexte universitaire. Donc, comme ce n'est pas ma présentation et que j'ai bien hâte d'entendre ce que nos amis ont préparé, je vais me taire et partager immédiatement mon écran avec la capsule. Donc, la capsule est d'une durée de 25 minutes. On va la faire jouer sans interruption. Je vous invite donc une dernière fois à utiliser le module de questions-réponses ou à noter vos questions que vous pourrez poser à l'oral, en levant la main, on vous donnera accès à votre micro parce qu'on a le droit de faire ça, nous, et vous pourrez formuler votre question à l'oral. Donc, merci beaucoup et bonne présentation. Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation sur les approches inclusives et les stratégies de remédiation en sciences infirmières. Même stratégie, mais différents étudiants. Présentation que je fais en collaboration avec Anne-Rosie Pelletier, qui ne participe pas nécessairement à la vidéo, mais qui a participé à l'étude. Alors, cette présentation suivra un plan de présentation tout à fait standard. Donc, d'abord la mise en contexte, puis j'aborderai un premier volet sur les approches inclusives, suivi d'un volet sur les stratégies de remédiation. Je terminerai la présentation par les enjeux réflexifs associés aux approches inclusives et aux stratégies de remédiation en sciences infirmières.
Tout d'abord, le contexte. Alors, il y a un nombre de plus en plus important d'étudiants en situation de handicap ou présentant des difficultés, des troubles d'apprentissage, TDA, avec des déficits moteurs organiques. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes en sciences de la santé ne font pas exception à la règle. On le voit au primaire, au secondaire, on le voit dans les contextes collégiaux, plein d'endroits à l'université. Mais à l'université, les domaines des sciences de la santé, c'est aussi des domaines dans lesquels il y a des étudiants qui présentent des situations de handicap. Vous allez dire que la situation diffère, peut-être, mais on a des suivis à faire auprès de ces étudiants-là. Donc, on s'est posé la question, moi, l'étudiante qui a travaillé avec moi, Anne-Rosie Pelletier, ainsi que les collègues, donc, quel est le soutien qui est offert aux quels sont les soutiens offerts à ces étudiants-là qui présentent des difficultés? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les domaines associés aux sciences de la santé, principalement, on parle de handicap de 80-90% d'étudiants pour lesquels les handicaps sont des TDA ou TDAH, des troubles d'apprentissage, des troubles de santé mentale, des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du langage. Donc, c'est ce que l'on retrouve en majorité parmi nos étudiants. De façon générale aussi, c'est très important parmi les étudiants qui sont en sciences de la santé. Évidemment, tout ça nous amène vraiment dans les aspects plus de sciences infirmières, où on a vraiment analysé ou fait un survol de certaines études, puis même de certains collègues, où on se disait, ben oui, d'accord, il y a une obligation légale de faire de l'enseignement adapté pour les étudiants présentant des situations de handicap. Donc, l'adaptation qui est souvent présente, c'est les fameux examens qui sont donnés dans un local tranquille, avec du temps supplémentaire. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve sensiblement partout au Canada, dans les écoles de sciences infirmières ou les facultés de sciences infirmières. Mais, les collègues, je vais placer mes collègues, mais des collègues de d'autres universités, parce que c'est vraiment décrit dans la littérature, démontrent certains doutes. Des doutes sur la qualité des étudiants, la capacité des étudiants à réussir les études universitaires ou même les études de soins infirmiers au niveau collégial, les doutes sur la qualité des études en soi. Donc, est-ce que le niveau sera vraiment un niveau académique, hein? Parce que pour une majorité de professeurs qui ont des craintes ou d'enseignants qui ont des craintes, c'est beaucoup le volet, ben on va diminuer la qualité de l'enseignement pour faire passer le plus grand nombre. Alors, c'est pas le but de faire ça. Lorsqu'on parle d'approche inclusive. Le but, ce n'est pas de diminuer la qualité de l'enseignement. Donc, ça soulevait certaines inquiétudes, puis c'est d'autant plus vrai pour ce qui est des aspects des sciences de la santé quant à la qualité puis à la sécurité des soins directs pour le patient, des soins, même la qualité ou la sécurité même de l'étudiant en sciences infirmières. Donc, il y avait des craintes qui étaient associées avec la sécurité. Ce qui nous a amené à nous poser quand même plusieurs questions, plusieurs buts. Puis on a fait en fait trois démarches, fait deux démarches consécutives qui m'amènent à la troisième. Donc la première démarche a été de déterminer, d'identifier quelles étaient les approches inclusives en sciences infirmières pour être en mesure de pouvoir les intégrer. Bon, la deuxième, la poursuite du projet a été de dire, bon, ben maintenant qu'on a des approches inclusives, force est d'admettre qu'on ne peut pas tout contrôler puis qu'il y a des étudiants qui pourraient en bénéficier. Donc, quelles sont les stratégies de rémédiation en sciences infirmières qui pourraient être ajoutées? Ce qui m'amène après au dernier enjeu, soit les enjeux réflexifs associés à ces fameuses approches inclusives et stratégies de rémédiation dans les domaines de sciences infirmières. Alors, je poursuis maintenant plus sur le volet de l'étude sur les approches inclusives. Donc, en fait, j'ai fait une revue systématique visant à évaluer l'impact des stratégies inclusives sur les étudiants en sciences infirmières. Parce qu'il faut savoir, c'est que, bon, les stratégies, les approches inclusives, il en existe plusieurs dans la littérature. J'ai participé à des groupes collectifs à l'université, donc des programmes collaboratifs où on a essayé de déterminer les meilleures stratégies inclusives, ce qui était utilisé sur le campus, ce qui était disponible dans la littérature. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que la stratégie, elle est dite, elle est nommée, qu'elle est nécessairement efficace pour améliorer l'engagement des étudiants, améliorer les taux de réussite des étudiants, surtout en sciences infirmières ou dans un domaine des sciences de la santé. Donc, la revue systématique portait à évaluer l'impact de ces stratégies inclusives sur les étudiants afin de vérifier s'il y avait eu un impact favorable.
Ainsi, ben, en fait, j'ai fait une vraie revue systématique suivant le concept de Prisma Statement pour les essais cliniques randomisés, mais je n'ai pas pris que des essais cliniques randomisés, là. Donc, j'ai pris tout type d'études, d'analyses quantitatives et qualitatives. J'ai évidemment adapté une stratégie de recherche sur des bases de données, tant en éducation que dans les domaines de sciences de la santé et qu'en psychologie, pour être certain de couvrir l'ensemble des domaines. Par la suite, j'ai fait un ajustement de ces bases de données-là pour les trois concepts, évidemment, là, donc de sciences infirmières ou soins infirmiers, pour le concept d'approche inclusive. Puis, par la suite, sur les aspects d'éducation, de développement de programmes et de stages. Parce qu'il peut y avoir une distinction à faire entre les stages et entre les cours. Par la suite, j'ai fait la sélection des études. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait un flowchart ou un diagramme de flux en français, ce qui nous a amené à cibler environ une 56 articles qui ont été utilisés. Donc, on s'est installé pour extraire les données, donc fait une extraction des données en utilisant un modèle d'évaluation, donc pour déterminer si les articles avaient vraiment évalué l'impact des stratégies inclusives. Évidemment, on a évalué la qualité de ces articles-ci. Comme je vous l'ai dit, on ne s'est pas contenté que d'essais cliniques randomisés, mais même à ça, on a utilisé des échelles pour les études mixtes pour vérifier la qualité de ces études-là. Est-ce qu'on a suffisamment de détails? Est-ce qu'elles sont de qualité pour qu'on puisse être convaincu que ça vaut la peine de retenir l'intervention? Puis, on a fait une analyse des données. Donc, selon les principaux guides d'analyse des données d'intervention en éducation médicale. Qui nous a amené, comme je l'ai dit, environ 56 articles qui ont été utilisés. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de ces articles-là? Quels sont les résultats qui en ressortent? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons identifié dans la littérature de ces 56 articles, en fait, trois principales raisons qui permettaient d'expliquer dans quel contexte on avait utilisé les approches inclusives en sciences infirmières. Ben, la principale raison, en fait, c'est la raison de l'étude, c'était de s'intéresser aux étudiantes et aux étudiants qui présentaient des handicaps. Mais on a réalisé que plusieurs études utilisaient le concept de handicap et mélangeaient avec le concept d'étudiant étranger, parce que les étudiants étrangers ou issus de l'immigration pouvaient aussi nécessiter ou avoir recours à des formules similaires à des stratégies d'approche inclusive. Puis on a réalisé que certaines approches qui avaient été faites auprès d'étudiants en situation de handicap avaient été répertoriées aussi pour être répétées par la suite à ces mêmes étudiants-là, mais pour des exercices de préparation à l'examen de certification, donc le fameux examen soit de l'ordre des infirmières, mais pour le Canada, pour les États-Unis ou pour l'Europe, les examens sont différents. C'est pas l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec, mais c'est plutôt un examen qui est national. Donc on a réalisé que c'était majeur aussi d'avoir les étudiants issus de l'immigration, puis la préparation donc à un examen de certification à la profession. Donc le phénomène de stress était quand même relativement important dans le processus. Donc on a gardé ça en tête, mais on a tout de même travaillé sur l'ensemble des résultats. On a poursuivi les analyses, puis on a réalisé finalement que c'était pas toutes les études qui finalement faisaient une évaluation correcte, qui faisaient une évaluation appropriée des résultats. Donc vous réalisez, plus ça va, hein, même si je suis parti de 1500 à 2000 études, ça diminue graduellement, donc à 56 études, 39 études, donc qui ont vraiment présenté les approches inclusives, donc par fréquence d'utilisation, en fait. Voici les principales approches qui ont démontré une efficacité. Puis là, c'est ça la partie qui est importante. Il y a beaucoup d'autres approches inclusives qui existent dans la littérature ou qui sont nommées dans les groupes et qui sont nommées probablement dans cette conférence. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que je n'ai retenu que celles en sciences infirmières qui avaient été évaluées, qui avaient fait l'objet d'une évaluation pour démontrer un impact auprès des étudiants, auprès de leurs notes, auprès de la profession. Donc, ce qui en ressort, ce sont principalement les activités associées avec le mentorat ou le tutorat qui est donné soit par la faculté, donc par les enseignants, les professeurs, ou par des étudiants qui sont d'un même niveau ou d'un niveau beaucoup plus avancé, donc en fin de parcours. Aussi, un deuxième
Une deuxième approche était l'utilisation des ateliers, donc le fait de travailler en petits groupes sur des domaines particuliers. À l'intérieur de ça était inclus un peu ce qu'on pourrait appeler les approches par problème, donc le fait de travailler par petits groupes, les approches par problème. Ensuite, il y avait les exercices en ligne, donc à noter que c'était des mini-quiz en ligne, des exercices de schématisation en ligne, donc la schématisation peut être utilisée, mais c'était l'aspect en ligne qui semblait important dans les articles. Puis, il y avait les éléments de pratique réflexive aussi qui étaient utilisés comme formule ayant démontré une efficacité là, pour les étudiants. Tout ça a eu des impacts positifs. En fait, ça a augmenté la confiance des étudiants et des étudiantes envers leur capacité à mener à bien. Le fait d'utiliser certaines stratégies a aussi permis d'augmenter les habiletés cliniques. C'est normal, en fait, on a un programme aussi qui est en partie clinique dans les laboratoires, examen clinique, le développement des pratiques de laboratoire, des techniques et aussi dans les stages. Donc, ce n'est pas que des cours théoriques. Donc, il y a une augmentation des habiletés cliniques qui a été démontrée. Il y a eu une augmentation de la réussite à l'examen de certification, donc de l'ordre professionnel, ce qui était somme toute positif. Puis, une diminution de l'attrition dans les programmes de formation en sciences infirmières ou en soins infirmiers. Donc, ce qui est somme toute très positif de maintenir, de faire de la rétention d'étudiants, ce qui est quand même très favorable. Au final, bon, on s'est dit, ben, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres étudiantes puis les autres étudiants ayant des besoins ayant des besoins de soutien dans le développement de leur pratique, dans le développement de leurs habiletés cliniques? Que fait-on avec ces étudiants-là? Parce que, en fait, comme professeur, comme directeur de programme présentement, j'ai à rencontrer des étudiants. Puis les étudiants ont des besoins, les étudiants ont des problématiques vécues, que ce soit en stage, que ce soit dans les cours, mais ce ne sont pas des étudiants qui ont un handicap, qui sont en situation de handicap. Ce sont des étudiants qui, ou ne l'ont pas spécifié, ou qui ont des besoins bien particuliers de soutien. Donc, nous sommes arrivés avec l'idée d'aller plus loin et de se questionner sur quelles sont les stratégies, mais de remédiation pour les étudiants. Donc, la prochaine étape, ça a été de faire exactement le même exercice, soit de faire une revue des écrits, mais sur les stratégies de remédiation. Et là, évidemment, ben, on visait à identifier des stratégies de remédiation pour les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. Mais là aussi, on a visé des stratégies qui avaient démontré un impact positif ou qui avaient été évaluées finalement pour démontrer un impact soit positif ou soit négatif pour les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. Donc, pas toutes les stratégies, mais que celles qui ont eu un impact démontré par un soutien scientifique. Donc, évidemment, on a suivi exactement le même principe d'une revue systématique en utilisant le Prisma Statement. Tel qu'indiqué, on n'a pas nécessairement suivi que des essais cliniques randomisés parce qu'on ne voulait pas se restreindre. Donc, on a vraiment fait une stratégie de recherche qui était, somme toute, complète sur l'ensemble d'une diversité là, de types de devis de recherche spécifiques, allant même jusqu'aux études qualitatives, tant que les études étaient évaluées. Donc, dans la stratégie de recherche qui a été faite dans les mêmes bases de données, donc des bases de données en éducation, des bases de données spécialisées en sciences de la santé, puis des bases de données, aussi une base de données en psychologie. Donc, pour nous permettre de déterminer toute stratégie de remédiation associée avec les sciences infirmières qui a été évaluée. Donc, on a fait une revue des écrits qui était scientifique, mais évidemment dans le but de développer ou de vérifier ce qui avait été fait ailleurs, hein, par principe pour développer nos propres politiques, nos propres processus. En fait, on a fait une revue de littérature grise aussi, des autres politiques d'appui à la réussite associées avec les stratégies de remédiation, ce qui nous a permis aussi de voir ce qui était fait dans d'autres domaines de sciences de la santé, comme la médecine, en réadaptation, en pharmacie, puis d'essayer de trouver des éléments importants. Évidemment, c'est tout l'aspect de l'évaluation des stratégies qui avait une part importante dans ce processus. Qu'a-t-on obtenu comme résultat? Mais en fait, les principales stratégies de remédiation qui ont fait la démonstration d'une évaluation, en fait, qui ont été évaluées, ce sont les trois stratégies. En fait, l'utilisation d'un contrat d'apprentissage, qui peut être fait soit en stage,
en prévision d'un stage ou même en prévision d'une formation, de la continuité de la formation, donc d'un contrat d'apprentissage. Encore une fois, on revoit le mentorat, le tutorat, que ce soit donné par la faculté ou par les pairs, qui a un impact très positif. Et nous avons aussi les activités de simulation qui ajoutent aussi pour la préparation en préparation évidemment des activités cliniques, principalement des activités de stage. Donc, ce sont des éléments pour lesquels on a un impact qui est positif. Évidemment, qu'est-ce que ça apporte, ces résultats-là? Quels sont les impacts démontrés? Bien, ça donne une augmentation de la confiance des étudiantes et des étudiants. A démontré qu'il y a eu une augmentation des habiletés techniques. Évidemment, on a une démonstration que parce que les étudiants, on leur offre des stratégies de remédiation, ben ça évite que les étudiants soient exclus du programme et travaillent sur eux-mêmes pour se développer et reprennent. Donc, il y a une diminution de l'attrition dans les programmes. Donc, vous comprenez que c'est sensiblement à un élément près la même diapo que j'ai utilisée pour le projet de recherche sur les stratégies inclusives. Donc, dans la section des résultats, j'avais exactement le même impact, mais c'était écrit impact des approches inclusives. Puis ici, c'est indiqué impact des stratégies de remédiation. Puis à un élément près, c'est exactement les mêmes impacts qui reviennent. Ce qui nous a franchement amené à nous questionner. Bon, au final, on connaît les impacts sur la trajectoire académique des étudiantes, des étudiants en sciences infirmières, que ce soit par les approches inclusives ou par les stratégies de remédiation. On sait que tout ça a un impact sur la trajectoire clinique en sciences infirmières, que ce soit pour les laboratoires, le développement dans les stages ou même pour la poursuite du travail. Ça, on le sait. Mais au final, il reste certains enjeux réflexifs qui sont associés avec ces deux éléments-là, avec les approches inclusives et les stratégies de remédiation. Parce que comme je l'ai dit dans le titre, en fait, on retrouve les mêmes stratégies. Des stratégies de mentorat, des stratégies de tutorat, donc des stratégies qui sont similaires, des aspects réflexifs par simulation des fois où on peut retrouver aussi un mélange des deux. Ça touche peut-être différents étudiants parce qu'en fait, le statut des étudiants diffère. En fait, pour plusieurs, on a des étudiants qui ont clairement une évaluation d'un psychologue ou quelqu'un en psychoéducation pour vraiment statuer quels sont les besoins de la personne, donc les besoins pour les étudiants en situation de handicap. Mais comme ça a été démontré dans les premières études sur les approches inclusives, plusieurs des études indiquaient les étudiants en situation de handicap et indiquaient les étudiants issus de l'immigration, puis les étudiants qui sont en stress d'un examen à la profession. Donc, pour tous ces étudiants, on les met ensemble parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Ce sont les mêmes besoins, finalement. Donc, les mêmes stratégies peuvent être utilisées. Même s'il y a une différence dans le statut des étudiants, dans le niveau de compréhension des étudiants, ça peut être la même chose. Ce qui nous amène vraiment à nous porter à la réflexion, hein, donc, ben, quelle est la population qui est étudiante qui est réellement ciblée par les aspects d'approche inclusive ou par les stratégies de remédiation? Ben, en fait, ça pourrait être tous les étudiants. Si les étudiants présentent des besoins, si les étudiants ont des situations de handicap, la question se pose, est-ce qu'on devrait intervenir au niveau de tous les étudiants? Hein, souvent dans les stratégies, on voit souvent des examens où on se dit, ben, finalement, on a des étudiants qui sont en situation de handicap auxquels on ajoute un temps, mais il y a peut-être d'autres étudiants qui pourraient bénéficier d'un temps supplémentaire, mais qui n'ont pas fait les démarches pour se faire identifier comme un étudiant en situation de handicap ou ne souhaitent pas être stigmatisés. Donc, on offre le temps supplémentaire à tous en se disant, ben, l'examen est inclusif. Est-ce qu'on devrait voir les enjeux associés avec les approches inclusives et les stratégies de remédiation de la même manière, considérant que les stratégies de remédiation s'appliquent à tous, considérant que les approches inclusives devraient s'appliquer d'abord aux étudiants qui présentent un handicap pour lequel on va essayer de les inclure, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser tout mettre ensemble pour aider le plus possible tous les étudiants? Quelle est l'efficacité de ces stratégies? Ben, en fait, on a vu des stratégies qui étaient efficaces. Évidemment, il y avait la littérature étant ce qu'elle est, on n'avait pas des études qui étaient toujours d'un niveau
très explicite sur la qualité de l'évaluation. Donc, parfois, c'était tout simplement une évaluation avant-après pour démontrer une efficacité. Parfois, c'était tout simplement comment vous sentez-vous, auto-rapporté, votre niveau d'engagement. Donc, ce n'était pas toujours soutenu par des questionnaires valides, des questionnaires fidèles. Ce n'était pas nécessairement toujours en lien avec un groupe contrôle ou un groupe expérimental. Fait que la qualité des évaluations n'était pas nécessairement la plus optimale. Donc, on les a maintenues pareil pour essayer de, parce que sinon, en fait, on aurait trouvé très, 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 très peu d'articles. Mais au final, certaines stratégies sont quand même, somme toute, efficaces. Puis certainement qu'il existe d'autres stratégies qui peuvent être très, très bonnes, mais pour lesquelles on n'a pas vu dans la littérature des démonstrations, puis en sciences infirmières, hein, on se le rappelle, c'est vraiment en sciences infirmières, on n'a pas vu des démonstrations vraiment d'évaluation complète. Ce qui fait en sorte que certaines de ces stratégies, certaines stratégies que vous utilisez peut-être, que moi j'utilise peut-être, pour lesquelles on n'a pas fait vraiment d'études, qu'on n'a pas fait d'évaluation substantielle pour nous permettre vraiment de déterminer hors de tout doute si ces stratégies sont efficaces. Donc, c'est à retravailler, donc de vraiment être capable de faire des comparaisons de ceux qui ont certaines stratégies pour démontrer qu'elles sont efficaces. Puis évidemment, la question que je me repose toujours aussi, c'est doit-on réellement intégrer ces stratégies pour tous, comme je l'ai mentionné, pour tous et pour toutes? Donc ces stratégies sont, si elles sont efficaces, pourrait-on les appliquer à tous, comme les stratégies de rémédiation s'appliquent à tous? Est-ce que les stratégies inclusives devraient être mises de l'avant pour aider tous les étudiants? C'est le but normalement qui est souhaité, mais souvent on fait des stratégies qui sont adaptées uniquement pour une clientèle. Donc, on devrait essayer de faire attention, puis probablement d'essayer d'intégrer les stratégies pour tous, puis probablement aussi d'essayer d'utiliser tant les stratégies de rémédiation que les stratégies inclusives, de mélanger les deux ensemble pour s'assurer de faire bénéficier l'ensemble des étudiants pour les faire progresser. Puis évidemment, il y en a d'autres qui peuvent s'améliorer. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet-là, les deux projets, en fait, ont été faits dans le cadre de subventions et elles ont été débutées et subventionnées légèrement avant la pandémie. Ce qui veut dire que, en fait, il y a un autre enjeu réflexif qui s'ajoute. Parce que lors de la fameuse pandémie, ben, on est toujours en pandémie, là, en fait, beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs ont changé leur façon d'enseigner, ont passé sur un mode co-modal à distance, hybride distance, donc toutes les formules et déclinaisons avec les mots hybride distance, co-modal, synchrone, asynchrone, pour multiplier les stratégies en ligne, les questionnaires, les quiz, que ce soit par des capsules, que ce soit en utilisant des plateformes avec questionnaires intégrés, vidéo, etc. Donc, il y a eu plusieurs changements, plusieurs adaptations. Puis, les études qui sont faites, les revues littérature qui ont été faites, puis qui sont en cours de publication, donc, n'ont pas vraiment déterminé l'impact que la COVID-19 a eu sur les approches inclusives. Mais je pense qu'il faut vraiment, et de rémédiation, là, mais je pense qu'il faut vraiment s'y attarder, donc de vérifier qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement en raison de la dernière année, ou on pourrait quasiment dire des 2 dernières années sur le point de vue recherche, lorsqu'on regarde la littérature, donc sur une plus longue période, qu'est-ce qui s'est introduit comme nouvelle stratégie qui aurait été évaluée, qui aurait pu avoir un impact sur les aspects des approches inclusives, puis sur les stratégies de rémédiation. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y investir parce que plusieurs étudiants vont souhaiter aussi maintenir un mode qui n'est plus complètement en présentiel parce que ça a peut-être plu à plusieurs étudiants qui avaient des besoins d'accommodation ou peut-être des plus, en fait. Donc, on a besoin de valider ces éléments-là pour être capable de se convaincre de ce qu'on a à faire dans un avenir. Alors, je vous remercie de votre attention. Donc, ça a coupé un peu avant la toute fin. Donc, je présume que c'était les remerciements d'usage pour
la fin. Donc, on merci a... Anne-Rosie, en fait, qui est maintenant présente là, aussi, donc, qui a participé au volet principalement sur la remédiation. Allô. Excellent. Donc, on accueille Anne-Rosie sur le panel qui s'est jointe à nous durant la présentation de la vidéo. Bienvenue. Donc, exactement, on est rendu au moment des questions. Pendant la vidéo, je vois que le module de questions-réponses n'a pas été utilisé pendant la présentation. Donc, je vous rappelle que vous avez trois moyens pour poser les questions, faire des commentaires, des interventions, des observations aussi. C'est une période de discussion, pas nécessairement une période d'interrogation de nos présentateurs, présentatrices. Donc, vous pouvez lever la main tout simplement, puis à ce moment-là, on va vous attribuer la possibilité de parler. Ou poser les questions soit dans le clavardage ou dans le module de questions-réponses. Donc, je vois que... comment je fais pour voir ça? Parfait. Parfait. Donc, ça a fonctionné? Oui. Sylvie de Sedler, à vous la parole. Merci beaucoup. Je me posais juste comme question, qu'est-ce qui fait la spécificité de soins infirmiers? Parce que... À chaque fois, dans la présentation de vos résultats, vous remettiez en contexte, là, c'est parfait. Mais d'après vous, en quoi ces résultats ne seraient pas, il ne serait pas possible de les élargir à d'autres programmes ou qu'est-ce qui est vraiment spécifique à ce programme-là? Merci beaucoup. En fait, merci pour la question. C'est juste une question de... On va dire de méthodologie de recherche, parce que, évidemment, en étant professeur, chercheur à la Faculté des sciences infirmières, puis Anne-Rosie étant étudiante en sciences infirmières, donc nous, nos centres d'intérêt étaient de vraiment limiter la littérature pour les aspects associés avec les sciences infirmières pour vérifier l'efficacité. Pourquoi on le rappelle beaucoup pour sciences infirmières? Bien, comme on a fait le choix des mots sciences infirmières dans la revue littérature, ça a limité un peu l'exploitation dans d'autres domaines de sciences de la santé. Particularité que l'on a, en fait, c'est que l'on a des programmes aussi qui incluent des stages et des aspects théoriques. Donc, nous avions certains éléments qui pouvaient être plus associés à des stages que des parties théoriques, mais je pense très bien que certaines stratégies inclusives ou de remédiation peuvent très bien s'appliquer ailleurs, mais je n'ai pas nécessairement cherché spécifiquement pour d'autres éléments que ceux qui étaient associés vraiment avec les sciences infirmières, bien qu'on fait quand même des suivis avec ce qui se passe avec la faculté de médecine aussi, entre autres, là, qui est associée beaucoup avec nous et pharmacie pour vérifier ce qui se fait pour les étudiants qui vivent des stages et qui ont des cours théoriques aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question, soit dans le module, je ne vois rien, ou dans la conversation? Donc, ben, n'hésitez pas, je vais poser mes propres questions. Je ne veux pas voler la parole, mais puisqu'on me la laisse, je vais la prendre. Peut-être rapidement, parce que ça a été mentionné, il y a des exemples qui ont été donnés, mais si je vous demandais de caractériser la différence que vous avez pu établir dans vos recherches entre les stratégies inclusives et les stratégies de remédiation. Il me semblait y avoir un chevauchement, puis c'est peut-être le cas. Je pense que c'est un peu ce qu'il disait. Mais donc, s'il y a un chevauchement, comment puis pourquoi est-ce qu'on utilise deux vocables peut-être différents dans la littérature pour ces deux types d'approches-là? Ou est-ce la même chose finalement? C'est une bonne question, en fait, parce que justement, en ayant terminé ou en terminant le volet sur la remédiation, c'est là que le questionnement est venu. Est-ce que finalement, lorsqu'on parle d'approche inclusive, d'autres personnes utilisent le vocable remédiation comme stratégie et on inclut des aspects inclusifs? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait la recherche de la terminologie, à la base, pour ce qui est des approches inclusives, dans le choix des mots pour les revues systématiques, on a utilisé des terminologies qui pouvaient inclure des aspects de remédiation par principe, mais finalement, lorsqu'on se concentre juste sur la remédiation, on réalise qu'il y a des similitudes très, très grandes. Puis le choix, le contexte dans lequel ça s'applique aussi fait en sorte que ça peut être similaire, parce que des études l'ont appliqué pour des étudiants présentant des besoins, ayant des troubles d'apprentissage, mais aussi pour des étudiants qui pouvaient être issus de l'immigration, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de programmes
de remédiation qui utilise du mentorat pour justement aider les étudiants étrangers à bénéficier d'un soutien, comment est-ce que ça fonctionne, les étudiants, si s'approprier les cours, la terminologie, les horaires, les milieux, donc s'acclimater. Donc, c'est déjà utilisé comme une stratégie de remédiation, alors que pour d'autres, ça pourrait être tout aussi bien inclusif. Donc, c'est dur de distinguer les deux à ce moment-ci. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on trouve beaucoup d'éléments similaires. Puis si je compare avec ce qui a été fait à la faculté de médecine, il y a eu un article BIMI qui est sorti sur les approches, les stratégies de remédiation en médecine. Et on trouve énormément de similitudes avec l'étude sur les approches inclusives. Donc, à toute fin pratique, c'est sensiblement les mêmes stratégies. Excellent, merci. Il y a une question dans le module de questions-réponses par Mme McAlault qui demande simplement si les revues ont été publiées. Donc, est-ce que c'est accessible? Pour ce qui est sur les stratégies de remédiation, ça a été fraîchement fait avant, on va dire, ça finit pendant la pandémie. Donc, c'est avec Anne-Rosie Pelletier, c'est dans les plans, en fait, le début de l'écriture est là, mais ce n'est pas encore publié. Pour ce qui est des stratégies inclusives, c'était subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, le rapport est vraiment disponible en français. Et je crois que le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada fait la traduction anglophone aussi. Donc, vous pouvez aller sur le site du Conseil de recherche, le CRSH, et taper mon nom de famille et inscrire Approche inclusive. Donc, ça a été présenté, c'est publié chez eux. Mais ce n'est pas tout le volet scientifique qui est présenté. Donc, les dernières analyses sont en cours de rédaction. Mais vous pouvez déjà avoir sensiblement ce que je vous ai présenté. Vous pouvez aller consulter directement sur le site du CRSH. Parfait, merci. J'espère que ça répond à la question. Karine McAlault avait aussi levé la main, donc peut-être une suite de réponses. Je vous donne la parole, Madame McAlault. Merci, Paul. Après ça, j'ai complété. J'avais d'autres questions. Dans le fond, j'aurais juste dû prendre la parole. Mais bon, merci pour la première réponse. Ma deuxième question, mais peut-être que je pourrais, entre autres, le retrouver dans la publication, mais comment vous avez ciblé les articles qui étaient inclusifs? Parce que je suis en soins infirmiers aussi. On est en train de faire une revue de la littérature. Bien, de recherche, et donc la revue est faite, là, mais c'est ça qui est difficile, c'est de... Ils disent pas « voici mon intervention inclusive ». Donc, comment vous avez ciblé les articles qui étaient dits inclusifs pour votre revue de la littérature? La liste des choix de mots était disponible. Allez consulter le rapport, j'ai mis la liste de la terminologie utilisée, mais en fait, effectivement, c'est une difficulté parce que les gens ne disent pas nécessairement « inclusif ». Donc, pour certaines... des fois, ça a été fait en ciblant le type de population, donc pas que des étudiants en sciences infirmières, où on a ciblé des fois des étudiants avec des troubles d'apprentissage. Puis là, on a nommé tous les troubles moteurs, tous les troubles de santé mentale qui pouvaient être associés avec des besoins d'approche inclusive, ce qui fait que le choix de la population a guidé. Puis par la suite, on a aussi nommé des stratégies, en plus d'utiliser les termes inclusifs, donc de nommer des stratégies qui étaient déjà existantes. Ce qui nous a permis de cibler, mais c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Ce n'est pas pour rien qu'on avait 4 personnes qui travaillaient à faire l'extraction des données dans le volet de ce projet-là. Pour ce qui est des stratégies de remédiation, c'était un peu plus simple. Il y a une étudiante qui avait travaillé préalablement, puis Anne-Rosie s'est jointe pour finaliser l'extraction des données. Mais comme les stratégies de remédiation, c'est plus courant dans le langage que les approches inclusives, où là on a une plus grande diversité, c'était plus simple de trouver des stratégies pour la remédiation. Et peut-être qu'Anne-Rosie pourra témoigner de la complexité d'identifier les bonnes stratégies. Bien, je comprends vraiment. Puis des fois aussi, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas nécessairement de l'inclusion, c'est peut-être de l'intégration, tu sais, les mesures qu'ils mettent en place pour un... Mais si vous dites pour un groupe ciblé, tu sais, dans le fond, l'article a été fait pour le groupe ciblé en tant que tel. Est-ce que c'est réellement de l'inclusion ou c'est de l'intégration? On joue sur les mots, mais quand même, cette lunette-là est difficile à changer puis à avoir la même lunette que le chercheur, là, finalement, en lisant la littérature. Mais merci, ça répond bien à mes questions. De rien.
Et je voyais Anne-Rosie qui cherchait à démuter son affaire. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, parfait. Mais peut-être sur la je vois plus de questions dans le panel, mais j'en aurais une dernière peut-être avant de passer la parole à nos amis français. Vous avez mentionné vers la toute fin la difficulté que les chercheurs, ceux qui ont écrit les recherches que vous avez recensées, à établir une méthodologie pour bien mesurer l'efficacité des méthodes. Ma question, c'est je fais un petit peu de recherche aussi en pratique inclusive, puis c'est un problème, c'est un os. C'est vraiment un problème de base. Comment on fait pour évaluer l'efficacité d'une pratique inclusive puisqu'on travaille à faire disparaître un problème? Donc, comment on évalue quelque chose qui est disparu? L'étude que vous avez faite laisse présumer d'autres études qui s'en viennent, potentiellement, justement, en évaluation de l'efficacité de certaines mesures que vous pourrez éventuellement avoir choisies là, dans une deuxième phase. Est-ce que vous entrevoyez, peut-être pour avoir lu beaucoup de méthodes qui ne fonctionnaient pas, est-ce que vous entrevoyez une méthode qui pourrait fonctionner pour bien évaluer l'efficacité là, de mesures, que ce soit de l'inclusion pure, de l'intégration, de la remédiation, l'ensemble des mesures aidantes, disons ça comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Bien, pour ce qui est des approches inclusives, effectivement, le défi de l'évaluation était beaucoup plutôt d'utiliser les personnes qui étaient identifiées comme ayant des besoins, puis de vérifier à la fin, suivant l'intervention, est-ce qu'elles ont apprécié la méthode, est-ce que les étudiants se sont engagés ou investis, si on reprend les concepts de la CUA, est-ce que les étudiants se sont plus engagés qu'en début de session, en comparant avec des échelles pour essayer de déterminer l'engagement. C'était toujours les aspects de la validité de ces types d'échelles par la suite, avant, après. Ben, c'est une façon d'évaluer, mais ça limite énormément notre degré de compréhension, plutôt comme chercheur, de se dire est-ce que c'est réel comme effet ou l'effet peut être attribuable à n'importe quoi de phénomène qui est survenu pendant la session. Donc, c'est quand même complexe à faire. Puis faire un essai clinique randomisé, donc d'avoir un groupe de comparaison qui est parfaitement identique, là, ça devient très complexe. Donc, les meilleures méthodes, celles qui étaient le mieux conçues, évaluaient des groupes pour lesquels on avait déjà une bonne idée du nombre d'étudiants qui nécessitaient des aspects, des besoins, qui avaient des besoins particuliers, puis les évaluaient, mais sur des mesures répétées. Dans différents cours, dans différents contextes, sur une plus longue période, ça permettait de démontrer un peu plus efficacement l'effet des interventions. Mais encore une fois, juste c'est l'aspect des interventions. Parce que souvent, les gens, moi, je fais exactement la même erreur, on veut tous le bien des étudiants. Donc, on invente, on développe des choses, puis on veut toutes les appliquer en disant, bien, si ça peut aider les étudiants. Et ça, c'est un problème de la recherche, de dire, si je mets tout, je ne peux pas évaluer individuellement chaque méthode sur plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs sessions, ce qui fait en sorte qu'au final, toutes les méthodes sont bonnes. Mais finalement, peut-être qu'une seule a été très bonne. Mais comme on a tout mis ensemble pour aider les étudiants, ce n'est pas nécessairement évident. Ça, c'est un peu différent. Ouais. Je pense qu'il y avait une question aussi là, de à l'intérieur dans le chat là, sur les stages. Les stages en milieu de COVID, il y a eu plusieurs changements qui ont été faits, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la difficulté des milieux à accueillir les étudiants. Donc, en sciences infirmières, puis Anne-Rosie est déjà en stage, fait qu'elle peut déjà nous dire que à quel point ce n'est pas nécessairement évident. Donc, je ne pense pas que ça a changé quelque chose pour ce qui est de la rémédiation ou de l'inclusion. Tiane? Ouais. Mais je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est plus, dans le fond, le manque de pratique à l'école. Là. Fait que quand on arrive en stage, on est quand même bien guidé. Tu sais, les seules différences, quand on réussit à partir en stage, c'est vraiment tout le côté protection, les masques, tout ça. Mais dans les milieux en tant que tels, c'est toujours, il n'y a pas tant de différence, mais clairement, à distance, c'était plus difficile. Fait que je pense que s'il y a eu un impact, c'est plus à ce niveau-là, plus au niveau théorique. Là, on avait moins de proximité, on avait moins de temps de laboratoire. Fait que, ouais. Ça doit être plus là qu'il y a eu de la remédiation de fait.
Cette pandémie nous aura forcés à nous adapter. On va dire ça comme ça. C'est un peu banal, mais c'est... Je me semble que ça ne peut pas être beaucoup plus vrai. Donc, on vous remercie énormément de cette belle présentation. Hein. Comme je le disais, je pense que c'est un premier pas dans la recherche, dans le domaine particulier des sciences infirmières, mais aussi probablement dans le domaine qu'on va pouvoir, dans les domaines de la santé en général, il va y avoir du transfert possible dans ce que vous avez fait. Donc, on vous remercie énormément pour votre présence aujourd'hui. Merci Anne-Rosie, merci Frédéric. Et vous êtes évidemment les bienvenus pour rester avec nous pour la suite de la séance et le reste du symposium. Là-dessus, je vais donc enlever la mise en évidence de vos vidéos. Et demander à Harbert et James à Poitiers de prendre la parole. Donc voilà, je pense que j'ai bien réussi à enlever la mise en évidence. Merci, je vais la mettre à vous. Et voilà. Donc voilà, vous êtes en direct, en streaming. Et sans plus tarder, en fait, je vais vous céder la parole. Peut-être mentionner que vous êtes à Poitiers, qu'on se connaît parce que le CRISPECH et l'Université de Poitiers ont développé une collaboration il y a de cela quelques années. J'ai eu l'occasion d'aller chez vous discuter, voir comment nos pratiques peuvent s'arrimer, comment on peut vous aider, comment vous pouvez nous aider. Bref, on a une belle collaboration et vous allez justement nous présenter une des choses que vous avez développées en termes de pratiques inclusives chez vous. Donc, à vous la parole, messieurs. Merci, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais tout d'abord commencer par partager mon PowerPoint. Je ne peux pas partager l'écran, Paul. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Bon, essaie de nouveau, tu vas voir, j'ai changé une petite coche là, d'après moi, ça devrait fonctionner. Voilà, là c'est bon. Désolé, merci. Alors, tout d'abord, une petite présentation brève. Alors, je suis Harbert Stembari, alors je suis sociologue de formation, docteur en sociologie. Je suis ingénieur de recherche au Centre de ressources d'ingénierie et d'initiatives pédagogiques. Pour dire simplement, c'est le centre pédagogique de l'Université de Poitiers. Et je suis chargé de cours également de le département sociologie à l'Université de Poitiers. Donc, Jean Robert, enseignant à la Faculté des sciences et puis en charge d'une thématique assez large à l'Université de Poitiers, les compétences transversales. Et aujourd'hui, on vous fera un retour d'expérience. On a construit une plateforme d'auto-formation en ligne qui s'adresse aux étudiants de l'Université de Poitiers et qui vise à les former sur le thème ou la thématique des méthodologies du travail universitaire. Donc, notre intervention va se structurer en deux temps. Dans un premier temps, je donnerai la parole à Jam qui vous présentera un peu le contexte général de l'Université de Poitiers, afin de situer un peu aussi nos propos. Et ensuite, moi, je vais entrer un peu plus en détail pour vous montrer un peu tout ce processus, au fait, de construction de cette plateforme en suivant les lignes de la conception universelle de l'apprentissage. Et vous pouvez nous poser des questions dans le chat, on pourrait intervenir quand vous le souhaitez. Donc, tout d'abord, juste une toute petite remise en perspective par rapport à Poitiers, l'Université de Poitiers, hein, pour dire qu'on accueille chez nous donc 30 000 étudiants et que sur la première année de licence, on a à peu près 7 000 étudiants. Et globalement, sur une année, on a 4 500 étudiants internationaux qui viennent dans notre université. Et un autre dernier chiffre, on a environ 500 étudiants en situation de handicap accueillis dans notre établissement. Donc, nous avons intitulé cette présentation « Celle-ci n'est pas qu'une boîte à outils ». Donc, il va s'agir pour nous de vous faire un retour d'expérience sur la mise en place d'une plateforme d'auto-formation que nous avons appelée donc, Motive et dédiée à la méthodologie du travail universitaire. Donc, notre objectif principal,
en mettant en place cette plateforme était de favoriser l'appropriation des méthodes de travail universitaire par les étudiants. Alors, en effet, depuis finalement assez peu de temps dans notre établissement, hein, c'est-à-dire concrètement depuis 2018, la méthodologie du travail universitaire est intégrée de manière obligatoire dans toutes les formations de nos licences, tout comme d'ailleurs le développement des compétences transversales. Alors maintenant, je vais vous exposer quelques éléments sur le contexte de mise en place de cette plateforme MOTI. Tout d'abord, donc, des éléments, on va dire, internes à l'établissement. Donc, avec un contexte de réussite en licence à l'Université de Poitiers plutôt favorable, on va dire comparativement aux autres universités de notre région, voire universités françaises. Même si, je vous l'accorde, on ne peut pas tout à fait se réjouir d'un taux de réussite de seulement de 50% en 4 ans pour l'obtention de la licence. Mais à notre décharge, faut bien comprendre que le contexte des études supérieures en France est assez particulier, notamment par rapport à d'autres modèles internationaux et celui que vous connaissez bien, le modèle nord-américain. Donc, bien sûr, ce serait passionnant d'en parler avec vous aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. Donc, comme je disais, un contexte plutôt favorable de réussite dans notre université, et à cela s'ajoutent d'autres facteurs. Donc, un certain nombre de dispositifs d'aide à la réussite, hein, qui étaient préexistants à travers un certain nombre de structures ou de dispositifs internes à l'université, tels que un service d'orientation, un dispositif de tutorat, un dispositif d'enseignant référent, de services d'appui à la pédagogie, dont fait partie Arbert, et puis des espaces collaboratifs. Enfin, un élément externe, hein, à caractère législatif s'est imposé à nous, c'est-à-dire la loi ORE, la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiantes, qui date de 2018, et l'arrêté licence de la même année. Ces éléments visent à l'amélioration de la réussite étudiante et encourage les établissements d'enseignement supérieur à développer l'accompagnement personnalisé des étudiants. En particulier dans l'article 6 de l'arrêté licence, où il est bien précisé que nous devons introduire dans nos formations des compétences transversales. Alors, les compétences transversales assez classiques, hein, finalement, qui sont les compétences en numérique, en recherche documentaire, en gestion de projet, en expression écrite et orale, et que nous devons également favoriser l'élaboration d'un projet personnel et professionnel de l'étudiant. Donc, partant de ce constat et fort de ce contexte, donc nous avons décidé de mettre en place une plateforme d'auto-formation à la méthodologie de travail universitaire et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour mener à bien cette mission, nous avons été aidés par ce qu'on appelle chez nous le projet ÉLAN, hein, donc interne à l'Université de Poitiers, qui est en fait un financement dans le cadre des projets d'investissement d'avenir relatif au nouveau cursus universitaire et financé par l'Agence nationale de la recherche française. Et ce projet ÉLAN, qui vise à renforcer la réussite étudiante et à personnaliser les parcours des étudiants, comporte 4 axes, dont un axe qui est clairement identifié et qui porte sur les compétences transversales dont je suis le porteur pour l'université. Donc, je vous laisse maintenant la parole à mon collègue Arbert, qui va vous parler du mode opératoire de développement de la plateforme. Merci, Jean. Alors, juste rapidement, alors, on a précisé dans quelques diapos certains principes qui nous ont guidés dans la construction de cette plateforme avec ces démarches inclusives, mais aussi peut-être cela va faire écho à la loi canadienne, par exemple, sur la définition du handicap, sur la définition de l'accessibilité. Là, concrètement, l'accessibilité, c'est un droit fondamental tel que
tel qu'il a été en fait défini par la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU en 2006, qui précise qu'on doit assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées, de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. En France, on retrouve l'affirmation également, cette affirmation également dans un texte qui est fondamental. C'est la loi de 2005 intitulée « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Et dans l'article 47 de cette loi, je cite, la loi dit donc « L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quel que soit le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites Internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les logiciels et les mobiliers urbains numériques. » Et finalement, on termine cette partie, si on peut dire, un peu juridique. Hein. C'est toujours selon cette loi, on trouve également une sorte d'une définition du handicap. Selon cette loi, donc, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement. Peut-être vous avez remarqué que nous, alors c'est assez récent quand même, on parle de plus en plus en France de situations de handicap, car qu'il s'agisse d'un handicap physique, mental, psychique, sensoriel, cognitif ou de troubles de santé invalidants. Cette définition, en fait, cette expression couvre une pluralité de situations différentes et renvoie tant à la dimension sociale qu'à la dimension environnementale. Et avec cette dimension environnementale, je me réfère pas uniquement à la question de l'espace, à la question spatiale, mais aussi à la question temporelle. Et finalement, en bas de ces diapos, je termine juste cette partie. Donc, ça interroge cette question de l'accessibilité numérique. Donc, dans notre travail, comme je vais le préciser un peu plus tard, on s'est référé aussi à quelques normes, comme la norme internationale, le Web Content Accessibility Guidelines, qui a été ensuite reprise aussi par la norme française de référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Alors, maintenant, on passe un peu plus en détail sur la construction de la plateforme. Alors, pour que ce ne soit pas trop théorique, je vais partager l'écran et on vous montrera la plateforme, ce qu'on a fait. Pour la construction de cette plateforme, on a travaillé dans un mode de gestion de projet. Tout d'abord, classiquement, on a fait une analyse des besoins auprès de nos étudiants. Ensuite, à procéder à un travail de conception, construire le prototype tout en voir un peu la stratégie pédagogique. Ensuite, dans un troisième temps, il y a eu la partie de développement des modules, c'est-à-dire une phase de rédaction, si on peut dire, de tous ces modules thématiques qu'on propose aux étudiants sur la gestion de projet, la prise de notes, la recherche documentaire, etc. Ensuite, la phase de mise en œuvre, création déjà informatique sur le Moodle de l'université en ligne et la création en parallèle d'un référentiel des compétences MTU issues de ce travail-là. Et finalement, on a terminé tout ce travail avec une double évaluation de cette plateforme. Et c'est la partie, je pense, ça sera la plus intéressante au cœur de cette communication, car effectivement, je l'ai entendu également hier, mais c'est revenu aussi dans la communication précédente. Effectivement, la question se pose à quel moment on peut dire que telle plateforme ou telle action est inclusive. Quels seraient les bons critères d'évaluation? On peut se poser aussi qui évalue. Je passe à la prochaine. Le titre de cette diapo le précise, on parle plutôt d'un idéal d'une plateforme inclusive. Alors, je m'explique pourquoi on parle de cela, d'un idéal. Avant de commencer cette plateforme aussi, comme Paul Turcotte l'a précisé tout à l'heure, il était venu en France, à l'Université de Poitiers, on avait pu échanger sur aussi l'expérience canadienne, plus en général, sur l'éducation inclusive, sur la conception universelle de l'apprentissage. Or, aussi, toutes les lectures au cours de ces années, en fait, de notre part,
Il me semble que cette démarche inclusive, ce n'est pas une démarche figée. C'est une démarche vraiment réflexive. C'est-à-dire, il y a vraiment un aller-retour entre ce qu'on fait, ce qui est attendu, la production et la réception de toutes ces choses pédagogiques, si on peut l'appeler comme ça. Donc, je parle plutôt d'un idéal, c'est-à-dire on s'inscrit vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Il y a aussi presque un peu d'erreur, essai-erreur, en fait, si on peut dire, de notre démarche. Donc, par exemple, par rapport au contenu qu'on propose à nos étudiants, il nous a semblé important, a priori, et je crois que c'est le cœur en fait, de ces démarches inclusives, c'est vraiment de se positionner dans la partie conception. En fait. Donc déjà, dans la conception, nous avions décidé, tous les collègues qui ont travaillé sur ce projet, sur les contenus proposés, on souhaitait que ces contenus soient déjà perceptibles, compréhensibles, saisissables par tous les étudiants. C'est-à-dire avec des alternatives textuelles, mais aussi non textuelles, avec différents médias, vidéo, audio. On a utilisé différents formats téléchargeables, PDF, point doc, etc. On a multiplié, on va dire, si on peut dire, les possibilités d'accès à la plateforme. Pas toujours par rapport au contenu, on voulait qu'il soit compréhensible. On voulait vraiment que ces contenus, du point de vue cette fois didactique, on souhaitait vraiment qu'il fasse sens en fait, à l'expérience des étudiants de notre université. Donc, par exemple, quand on leur parlait de la prise de notes ou de la recherche documentaire, tous les exemples qu'on a essayé d'illustrer, tous ces approches théoriques, si on peut dire, avec des exemples concrets de la vie étudiante, en fait, de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne de nos étudiants. Et ensuite, des éléments en fait, qui participent à une meilleure compréhension en fait, de ce contenu, un guidage par un plan structuré, très clair, une clarification des signes, des symboles, mais également aussi, on leur propose beaucoup de tests et des exercices. Finalement, en fait, on voulait que ces contenus soient aussi utilisables. Ils pouvaient accéder déjà à la plateforme, que ce soit à partir de leur ordinateur portable ou à partir de leur téléphone, contenu utilisable au clavier, mais également on a réfléchi pas mal et on a fait pas mal de tests aussi sur la question du temps, sur la temporalité de suivi d'un module précis, et en leur proposant également, s'il y avait des demandes, on va dire, spécifiques, pourquoi pas aussi de l'aide personnalisée, ils pouvaient nous contacter, mais également au cours de l'année, on a proposé également des ateliers thématiques sur le thème de la prise de notes, sur le recherche doc, etc. Alors, c'est-à-dire, dans la communication, on disait que on voulait vraiment en fait, se situer dans cette approche de la conception universelle de l'apprentissage. Et tous les travaux que j'ai pu aussi, qu'on a pu lire, des travaux de Chris Page, de cette plateforme K-Press, qui a pas mal de publications, mais également les travaux, par exemple, de Anne Meyer, David Rose, David Gordon, sur le Universal Learning Design. Nous ont permis dès le départ en fait de se sensibiliser de cette question de l'inclusion. Donc notamment en fait c'est devenu vraiment très connu même ici en France ce schéma où de ces schémas je vais t'inspirer des travaux en neurosciences. C'est-à-dire offrir plusieurs moyens de représentation qui vont soutenir la perception, le langage, la compréhension, offrir plusieurs moyens d'engagement des étudiants afin qu'ils y trouvent leur intérêt, mais qui s'assurent aussi une logique de progression, d'autonomie. Offrir aussi, à travers cette plateforme et les modules qu'on offre à nos étudiants, en fait, plusieurs moyens d'action et d'expression. Effectivement, on leur propose, c'est-à-dire les modules ils sont en mode auto-formation, mais on leur propose par exemple de différents tests, des quiz, des exercices réflexifs. Ils peuvent même obtenir des badges s'ils le souhaitent, etc. Par rapport à la méthodologie, alors concrètement, l'idée, c'est-à-dire on a essayé d'écouter un peu
tous les acteurs de l'université, si on peut le dire. En tout cas, sans avoir la prétention de dire tous les acteurs, mais en tout cas, on a essayé en tout cas, de multiplier ces occasions de rencontres, comme on le mentionne. Tout d'abord, par rapport aux étudiants. Alors, parfois, en fait, certaines réalisations sont aussi le fruit de certaines rencontres, comment dire, hasardeuses, on va dire, à côté de notre centre pédagogique, là où je travaille, à côté de mon bureau, se trouvaient aussi la plupart des associations étudiantes de l'Université de Poitiers. Donc, au fur et à mesure que nous travaillons sur ces modules qui s'adressaient aux étudiants, on avait cet avantage d'avoir les étudiants juste à côté. Donc, on testait des modules, parfois on les invitait dans une salle de classe, on discutait avec eux, on essayait de corriger la cible. Donc, on a eu beaucoup de retours de la part des étudiants. Également, en fait, nos conseillers pédagogiques qui sont aussi situés dans les composantes, dans les facultés, en fait, de l'université, nous ont fait aussi beaucoup de retours, en fait, de la part des étudiants qui ont rencontré également, en fait, au sein de ces facultés. Du point de vue des enseignants, on a organisé, en fait, des rencontres régulières avec les enseignants, faculté par faculté. On appelait ça, on faisait une tournée en fait, auprès des facultés avec tous les enseignants référents, avec les enseignants qui étaient en charge de la question du handicap au sein de leur faculté. Alors, ça va de soi parce que plusieurs d'entre nous en fait, qui ont travaillé sur la construction de cette plateforme, nous enseignons nous-mêmes en fait, hein, donc on essayait aussi de voir avec nos propres étudiants. Également, on a essayé de réaliser une sorte d'inventaire des pratiques pédagogiques réalisé à l'Université de Poitiers sur cette question des méthodologies du travail universitaire. Car alors, les méthodologies de travail universitaire à l'Université de Poitiers, alors, elles font part dans la majorité des cas en fait, d'une sorte d'une sorte d'apprentissage ou de socialisation silencieuse. Il n'y a pas vraiment un apprentissage de la prise de notes à l'université. Les étudiants, quand ils arrivent en première année, il y en a beaucoup d'entre eux qui se sentent complètement perdus quand ils sont dans un amphithéâtre. Ils ne savent pas vraiment quoi noter et ils finissent par noter, à faire du verbatim, à noter du mot à mot et à entrer dans une sorte de marathon pour rattraper le rythme de communication de leur enseignant. Donc, ce ne sont pas vraiment des choses qui s'apprennent. Troisième point, en fait, aussi au centre pédagogique de l'université où je travaille, nous proposons beaucoup de formations en fait, aux enseignants de l'université. Donc, c'était aussi l'occasion, en fait, et j'avais discuté avec les autres collègues conseillers pédagogiques, d'interroger un peu nos enseignants sur les pratiques, c'est-à-dire de leur point de vue, sur les pratiques d'apprentissage et de développement de ces compétences de nos étudiants. Finalement, quelque chose de très, très important, et ce serait très intéressant d'avoir aussi votre point de vue, de votre expérience, on a essayé aussi de créer une sorte de dynamique inter-service. Alors, moi, avant, j'étais un peu dans le monde de la recherche. Donc, depuis 3 ans, je travaille maintenant, je suis du côté de l'administration, si je peux dire. Et effectivement, là, je dirais, l'université me ressemble à comme une sorte de bug-bot où il y a des compartiments où chacun est un peu fermé dans son compartiment. Donc, on a essayé vraiment de créer cette dynamique d'interservice et de travailler, en fait, de créer des groupes de travail communs avec les autres services. Donc, le centre pédagogique dans lequel je travaille, les services handicap étudiants. Il y a eu le service numérique de l'université qui s'appelle IMEDIA, les services d'orientation, les bibliothécaires qui ont participé même à la rédaction de certains modules. Donc, l'idée, c'était vraiment de gagner de la complémentarité des expertises des uns des autres. Juste rapidement, en fait, un petit mot par rapport au calendrier de mise en œuvre. Voilà, on avait commencé le travail, cette analyse des besoins a été réalisée en septembre-octobre 2019. Novembre-décembre, on avait commencé à concevoir le prototype du point de vue juste pédagogique. Ensuite, décembre-janvier, on avait commencé à rédiger les modules. Et en février-mars, en parallèle avec la rédaction des modules, d'autres collègues qui étaient sur le service numérique commençaient à les intégrer en fait, dans le Moodle de l'université. Donc, c'était un travail vraiment d'aller-retour entre rédaction, relecture, correction, intégration, parfois des tests auprès des étudiants, etc. À chaque fois, en fait, avec cette dynamique interservice, avec la plupart, on va dire, des acteurs d'autres services qui étaient présents à cette table de travail. Et la plateforme a été lancée donc le 1er septembre de l'année 2020. Alors, on a passé aussi, on va dire, cette vague de pandémie pendant cette période, ce qui
a quand même ralenti certains aspects de notre travail. Donc, du coup, par rapport à la présentation de la plateforme, Jérôme, est-ce que tu veux dire un petit mot avant que je fasse la démonstration, que je vous montre un peu? Oui, alors par rapport au développement des modules, donc effectivement, au 1er septembre, on a pu lancer six chapitres thématiques, hein, avec une trentaine de modules en tout. Donc vous voyez les intitulés sur les diapos, donc les bases de l'apprentissage, un chapitre autour de la prise de notes, hein, des recherches documentaires, des écrits courts et structurés, de la communication au milieu universitaire. Ça, c'était un élément très important qui nous était aussi demandé par différents interlocuteurs. Et puis, un chapitre sur la gestion de projet. Alors, on a lancé ça en français, hein, pour le 1er septembre. Et puis, on a également, pendant la période de cette année, là, 2021, on a lancé également la traduction de l'ensemble de ces modules en anglais et en espagnol, afin de les rendre accessibles à notre population d'étudiants internationaux, hein, puisqu'on est une université qui reçoit énormément d'étudiants internationaux. Donc ça nous semblait aussi très très important de pouvoir offrir ces modules dans d'autres langues que le français. Et puis à la rentrée de septembre prochain, on a à nouveau un certain nombre d'autres chapitres qui vont être intégrés et mis à disposition des étudiants sur la plateforme. L'idée étant bien pour nous, nos étudiants s'inscrivent courant juin-juillet. L'idée est que nos étudiants puissent, avant d'arriver au 1er septembre à l'université, puissent prendre connaissance de ces modules d'auto-formation et s'approprier quelques briques, quelques éléments de la formation en fonction de leurs besoins. D'accord. Du coup, je vais arrêter en fait ce partage avec le PowerPoint pour partager du coup la page internet. Alors est-ce que tu veux le présenter? Vas-y. D'accord. Alors c'est le site d'accueil, on va dire, de cette plateforme. Alors, il y a deux manières pour nos étudiants d'y accéder, soit par le site de l'université, soit ils y accèdent directement de leur plateforme numérique. Le module de l'Université de Poitiers s'appelle UPédago. Donc ici, c'est juste la plateforme d'accueil. On explique un peu qu'est-ce que motive. Et ensuite, on passe directement en fait, au chapitre. Donc, normalement, nos étudiants, ils y accèdent directement à partir, comme je disais tout à l'heure, à partir de la plateforme numérique de l'université. Alors, on explique, chaque chapitre est composé de plusieurs modules. Je vais l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Mais là, je vais passer directement sur le Moodle de l'université. Alors, ici, il y a le plan du chapitre. Alors, en fait, je l'ai... Donc ici, en fait, on est sur l'espace numérique de l'université. La partie privée. Et la partie privée. Oui, la partie privée. Donc, il y a des capsules vidéo et tout a été retranscrit, les vidéos. Donc, et ensuite, chaque chapitre est construit en deux parties, partie A et partie B, composée de plusieurs modules et... Il y a une logique de progression, en fait. Les premiers modules sont un peu plus simples, moins théoriques, si on peut le dire comme ça. Et dans la deuxième partie, on trouve des modules un peu plus complexes. Ce qui est intéressant par rapport à la plateforme, c'est que la plateforme est complètement ouverte aux étudiants de notre université. Elle n'est pas obligatoire. Ils peuvent y accéder, comme je disais, de n'importe quel support, soit de leur ordinateur portable, soit de leur téléphone portable, et quand ils veulent, et dans l'ordre qu'ils souhaitent suivre les modules selon leurs besoins. Pour les aider à se positionner, en fait, on leur propose un test de positionnement au début, avec des questions qui reprennent un peu toutes les thématiques proposées dans la plateforme.
et avec une selon les scores qu'ils obtiennent lors de ce test, le test leur propose, leur suggère en tout cas de suivre un certain parcours de format ou d'auto-formation. Si je prends l'exemple, par exemple, comment apprend-on, si on rentre dans les modules concrètement. Alors là, je ne vois pas comment je vais. Non. Il faut juste que. Tu déplaces. Ah oui, il faut que je déplace ça. Donc, ils peuvent passer en mode plein écran. Et ensuite, si je survole rapidement. Voilà, ça, c'était typiquement une idée des étudiants. Ils voulaient qu'il y ait des gifs de leurs films ou séries préférées. Donc, si je survole rapidement le module, donc on reprend aussi des conseils pédagogiques un peu classiques. On présente des objectifs, les compétences visées dans les modules. Après, ensuite, il y a une introduction, il y a une partie théorique, des conseils un peu plus sur des mises en œuvre. Donc, il y a il y a des parties texte, mais il y a également… Alors là, l'Internet est un tout petit peu lent, je trouve, là. Ensuite, il y a une partie exercice, des quiz, après des exercices plutôt réflexifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les enseignants qui souhaitent faire travailler aussi leurs étudiants sur ces modules-là, ils peuvent également les intégrer dans leur cours s'ils le souhaitent. Mais effectivement, mais alors ça ne remplace pas le cours, c'est juste un départ, ils peuvent aller beaucoup plus loin. L'intérêt également, c'est que comme vous pouvez, ce qu'on disait, ce que mon collègue Jam disait tout à l'heure, le module est intégralement retranscrit, donc en français, voilà, concrètement, en fait, il y a tout le module. Donc, ça permet aux étudiants qui utilisent, par exemple, des technologies d'assistance de les lire avec de faire de la synthèse vocale, avec un logiciel de synthèse vocale. Alors, j'ai un problème ici. Hop, alors j'ai perdu. Tu reviens sur le PowerPoint. Oui, voilà. Donc pareil, alors pour la traduction en anglais, ça a été traduit, on va dire, tout le module. Et donc les 30 modules ont été traduits et en anglais, et en espagnol. Et on aimerait aussi peut-être l'année prochaine traduire les modules en allemand. Cela, ça a été un besoin qui nous a été exprimé explicitement également par des collègues qui travaillent auprès des services de relations internationales, car des étudiants internationaux et l'Université de Poitiers fait partie des universités avec un des taux les plus élevés de toutes les universités de France pour l'accueil de ces étudiants-là. Des étudiants internationaux qui venaient en France et qui très souvent ne maîtrisaient pas aussi certaines méthodologies, typiquement françaises, comme par exemple la dissertation à la française, mais aussi par rapport à d'autres types de méthodologies, parce que finalement, qu'on soit français ou étudiant international, on peut rencontrer les mêmes difficultés. Paul, il y a quelque chose, non? Oui, en fait, peut-être pour respecter un peu le temps de prévu, pour avoir aussi une période de questions, je sais que personnellement, j'en ai, le module de questions-réponses commence à se remplir. Vous connaissez la routine, voilà. Je vais juste terminer en 2 minutes, rapidement, où il faut répondre. Je termine juste en 2 minutes. Alors... juste pour terminer, en fait, on voulait vraiment avoir, c'est-à-dire une fois qu'on a mis en ligne, on va dire cette plateforme, on voulait s'assurer que tous les étudiants y avaient accès d'une part,
Mais pas que, on voulait aussi, si vraiment en fait, l'expérience utilisateur des étudiants était effectivement bonne et correspondait un peu à la qualité théorique que nous nous étions fixés au départ. Donc du coup, en fait, on a utilisé dans un premier temps en fait, un outil d'évaluation qui a été proposé de manière anonyme à tous les étudiants. Donc on a utilisé le questionnaire attractif qui est construit par Corinne Lallemand. C'est en fait c'est un questionnaire qui reprend avec des c'est un questionnaire qui reprend des métriques en fait, subjectives et qui interroge les étudiants sur l'expérience utilisateur. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, ce que je disais tout à l'heure, si l'évaluation était plutôt très, très bonne, donc sur presque 450 étudiants, sur une échelle de 1 à 7, on devait être autour de 6,2, hein, sur une échelle de Likert de 1 à 7, 6,2 de satisfaction. Sur 28 items d'évaluation, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout visibilité sur qui étaient ces étudiants-là. En fait. Notamment, on n'a pas du tout su si les étudiants, par exemple, en situation de handicap, y avaient eu accès ou pas, avaient utilisé la plateforme ou pas. Donc, du coup, une fois qu'on avait eu ces premiers résultats et qu'on était effectivement et de manière très significative, on était vraiment satisfait, si on peut dire, de ce travail-là, on a proposé un deuxième questionnaire d'évaluation. Et cette fois, en fait, on a construit un autre questionnaire et qui, avec l'aide des collègues qui travaillent au service handicap étudiant, on a passé de manière encore une fois anonyme par ce service-là qui connaît ces étudiants-là. On a passé ce questionnaire d'évaluation auprès des étudiants en situation de handicap et on les a qui ont été, on va dire, questionnés via ce questionnaire sur ces cinq thèmes, donc s'ils connaissaient la plateforme, s'ils l'utilisaient, questions de fréquence, etc., sur l'interface, hein, des questions de lisibilité du texte, etc., sur des questions de navigation, comme ce qu'on disait tout à l'heure, par le clavier, est-ce que différents supports, est-ce que la synthèse vocale, ça marche, etc. Après, effectivement, sur des questions de contenu et de compréhension, et effectivement, ensuite, à la fin, un cinquième thème sur la question de l'accessibilité et compatibilité avec des outils d'assistance. Pour des questions, c'est-à-dire aussi de contexte pandémique, bien qu'on a construit l'outil dans les règles de l'art, on a obtenu très peu de réponses. Alors, peut-être que ce n'est pas le moment de le discuter, mais on pourra en discuter à un autre moment. Qui souhaite nous contacter, on pourrait répondre. On a obtenu très, très peu de réponses. Et du coup, là, on est en phase, si on peut dire, de prendre en compte, on va dire, cet avis, au fait, qui nous manquait un peu, notamment des questions qui est de mise en visibilité de la fonction module dyslexie. Voilà, il y avait des détails, au fait, qu'il faudrait qu'on améliore. Pour terminer, vraiment la dernière phrase, je crois que c'est très très important, car on l'a pas mentionné, c'est aussi de créer ce pont, si je peux dire, aussi avec le monde de la recherche. Je l'ai précisé au tout début de notre intervention, et là je vais le répéter, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé avec nous, des psychologues, des sociologues, des bibliothécaires, qui ont vraiment construit ou consulté ou relu ce travail. Donc voilà, donc bon, je vais m'arrêter là. Donc nous sommes ouverts à toutes les questions. Merci beaucoup. Sans plus tarder, en fait, je pense que la première question de Sylvie Dessedler porte un peu justement sur cette transférabilité puis l'importance du transfert. Donc je la lis avec vous. Est-ce que votre expérience fait l'objet d'une publication? Réussite pratique, etc. Et ce serait très intéressant parce qu'effectivement, il y aurait un grand potentiel en termes de transfert de connaissances, expériences. Donc, quels sont les projets là-dessus? Alors, tout d'abord, en fait, c'est-à-dire actuellement, j'aurais dû peut-être le préciser, nous sommes dans une approche très opérationnelle pour le moment. Mais évidemment, il y a eu toute une stratégie de mise en œuvre, comme je l'ai expliqué tout d'abord. Il y a aussi une stratégie de valorisation de ce travail qui a été du fond en comble appuyé par des travaux théoriques, notamment en psychologie cognitive, entre autres.
Donc, effectivement, oui, nous avons en fait comme projet de publier en fait des résultats de travail. Il y a également des chercheurs en fait de certains laboratoires de notre université, des psychologues et des sociologues, qui souhaitent également en fait travailler avec nous à partir de leurs recherches et nous aider également en fait pour nous si on peut dire, pour nous expliquer, nous élucider certaines questions qui restent encore en suspens. Par exemple, si je prends un exemple très concret, une difficulté que nous rencontrons actuellement, l'Université de Poitiers est partenaire d'un projet national en France qui s'appelle ASPI Friendly. C'est un projet très, très important, en fait, avec... Il y a beaucoup de partenaires universitaires de toute la France, ASPI Friendly. L'idée, c'est de travailler sur comment... faciliter en fait l'accès et favoriser la réussite des étudiants Asperger, autistes Asperger. Donc nous sommes partenaires, donc effectivement, par exemple, nous savons que chaque étudiant Asperger, il mène une expérience unique par rapport à ce trouble-là. Donc j'ai une vraie question en fait, comment trouver cet équilibre entre une approche qui s'appuie sur ces démarches de conception universelle de l'apprentissage et des besoins quand même qui restent particuliers. Effectivement, c'est tout le secret de l'inclusion, en fait, hein, comment des solutions qu'on va offrir de façon générale peuvent répondre à un plus grand éventail de besoins de prime abord, mais aussi parmi ce plus large éventail de besoins, les besoins plus particuliers qui sont peut-être plus aux extrémités de ce large spectre qu'on essaie de couvrir. Donc, avoir un large spectre le plus large possible. Une autre question de Mme de Sedler en lien peut-être cette fois-ci plus avec le module. Pourquoi un module en gestion de projet? Je ne sais pas, Sylvie, si tu peux préciser ta question ou si ça semble très clair. Pourquoi un module en gestion de projet? Donc... Pourquoi en fait un module en gestion de projet? Pourquoi on propose ça? Tout simplement parce que l'objectif étant de développer, alors au-delà de la méthodologie de travail universitaire, mais je pense que la gestion de projet fait aussi partie finalement des méthodes de travail qu'on peut acquérir à l'université. Il nous semblait très important de pouvoir justement proposer cette formation-là en auto-formation à nos étudiants, et puis aussi pour gommer ou lisser un certain nombre, on va dire, d'inégalités au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'on a des formations au niveau troisième année de licence qui vont inclure de la gestion de projet avec beaucoup d'heures de gestion de projet et des vrais projets, et d'autres formations qui vont en être dépourvues. Alors, pour X raisons, hein, parce qu'on a moins de personnel pour cela, il y a moins de personnel qualifié, moins d'envie aussi de l'équipe enseignante, mais cela ne veut pas dire que les étudiants n'ont pas besoin justement d'être outillés par rapport à cela. Et on le sent bien, on le voit bien à travers un certain nombre d'étudiants stagiaires que l'on peut avoir en ce moment dans notre équipe, hein, que cette dimension-là, elle est extrêmement importante pour la formation de nos étudiants qui vont devoir rentrer sur le marché du travail très prochainement. OK, donc Paul m'a donné le micro, alors je vous remercie. Je trouve ça juste surprenant que dans une perspective d'inclusion, là, on a CRISPECH, c'est les étudiants en situation de handicap, mais plus à large, l'inclusion même des étudiants étrangers, vous percevez la gestion de projet pour une inclusion ou une harmonisation des formations, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas tant en termes d'inclusion, de la gestion de projet. En fait, peut-être, on l'a pas expliqué, peut-être il y a eu une confusion. En fait, la gestion de projet, c'est juste un chapitre en fait, qui propose aux étudiants de se former sur des outils de gestion de projet. Concrètement, ici à l'Université de Poitiers, en fait, la vie associative étudiante est très, très importante. Exemple concret, les étudiants mènent des projets, or très souvent, ils manquent de méthodologie de mener ces projets. Tout simplement pour faire un budget, pour chercher un financement. Donc, tout simplement, ce chapitre propose aux étudiants qui souhaitent se former en fait à la gestion de projet, de mener, d'acquérir en fait
les méthodes et les outils, au fait, leur permettant de mener à bien des projets qui soient académiques ou extra-académiques. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, peut-être un dernier appel pour des questions. Il approche l'heure qui nous avait été impartie. Je ne vois pas de main levée ni de nouvelles questions. Peut-être en terminant, merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que c'est un très bon exemple de ce qui va peut-être représenter le futur. Je pense que si la pandémie a ralenti beaucoup de choses, l'économie, la joie de vivre, bon, ces choses-là, ça a accéléré certaines autres choses, dont, par exemple, un besoin ou une offre d'auto-formation de ce type-là. Et si on peut concevoir, comme vous l'avez très bien fait, des modules d'auto-formation qui soient le plus inclusifs possible, qui fassent appel aux principes de la CUA, qui visent aussi le plus large spectre de besoins, que ce soit des besoins dits particuliers, donc d'étudiants en situation de handicap, mais de tout étudiant finalement qui... appartient à l'un ou l'autre groupe de la diversité, je pense que vous avez déjà posé un bon jalon avec le travail que vous avez fait avec Motive et je vous remercie beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Je pense que tant dans le monde universitaire, avec que ce soit les MOOC ou l'offre de formation à distance ou simplement les modules comme ça qu'ils offrent à tous leurs étudiants, qu'ils accueillent, peu importe le programme ou l'orientation, vous avez placé la barre à un niveau qui me semble adéquat en termes d'inclusion. Donc, je vous remercie pour ça. Merci aussi beaucoup à Frédéric Douville et Anne-Rosie qui est peut-être encore parmi nous, peut-être pas, je ne sais plus. C'était très intéressant aussi de voir l'état des pratiques en sciences infirmières. Donc, c'est ce qui conclurait ce panel de présentation orale. Le lobby demeure accessible si vous désirez juste passer voir s'il y a quelqu'un qui est disponible pour discuter là. C'est le principe de lobby. C'est sûr que c'est virtuel. C'est un peu plus bizarre qu'une vraie antichambre avec des croissants, du café et des choses comme ça. Mais l'endroit demeure ouvert. Et sinon, on vous convie demain à la troisième demi-journée de ce symposium du CRISPECH. Arbert présentera aussi, fera partie du panel international demain avec des collègues de plusieurs pays, d'un bout à l'autre de la Terre, y compris la Nouvelle-Zélande. Et pour une activité aussi, l'atelier collaboratif qui va faire la synthèse pour essayer vraiment de pouvoir offrir un maximum là, de réseautage parmi tous les gens qui sont ici. Donc, ce serait un peu le mot de la fin. Je vous remercie encore une fois pour vos excellentes présentations. Merci à vous. Et bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.